Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui les amis. Alors je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour trois raisons. La première, c'est qu'on a passé, je crois que c'est avant-hier, les 10 000 abonnés. Et pour ça, je voudrais tout simplement vous remercier parce que c'est grâce à vous que la chaîne vit, que je fais toujours des vidéos. Et à la base, c'est vrai que j'avais fait cette chaîne essentiellement pour aider les patients, pour leur faire des vidéos, pour leur donner des exercices. Et puis ça a pris de l'ampleur très très rapidement. Et aujourd'hui, c'est grâce à vous qu'on en est là tous aujourd'hui. Donc je suis ravi de pouvoir continuer à vous aider. La deuxième chose, on ne le voit pas trop, mais le printemps est enfin arrivé. Il fait enfin très beau et très chaud. Aujourd'hui à Montpellier, c'est 25 degrés à l'ombre. Donc c'est royal. Et troisième raison, c'est que je vous retrouve pour une vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de ça. Et on va parler de ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un rouleau de massage. Alors vous devez très certainement déjà l'avoir vu dans de nombreuses vidéos, dans des articles fitness, dans des vidéos, que sais-je, en même à Décathlon, voilà, il y en a. Et ça, pareil, c'est une balle. Alors bon, balle de tennis, balle de lacrosse, balle en caoutchouc, peu importe, on s'en fout, un truc rond qui roule. Donc pourquoi j'aimerais vous parler de ça? Parce qu'il y a beaucoup de conneries et de fausses vérités qui circulent en fait sur l'automassage en particulier et également sur les trigger points. Alors les trigger points, je vous en ai déjà parlé, c'est, je vous rappelle ce que c'est, les trigger points en fait ce sont simplement des points d'hypercongestion très localisés au niveau du muscle. Donc l'hypercongestion, c'est une zone qui retient du sang et qui n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc cette zone va être très chargée en tension. Et à côté de ça, il va y avoir d'autres zones, des zones aux alentours qui vont être plus ou moins privées de sang. Donc les trigger points, en fait, ils vont avoir tendance à générer des douleurs potentiellement sur la zone, mais souvent aussi à distance de la zone, en donnant ce qu'on appelle les douleurs référées. Donc par exemple, au niveau des fessiers, ça peut reproduire des douleurs sciatiques. Donc pourquoi j'aimerais vous parler d'automassage essentiellement et pourquoi pas de trigger point? Déjà, tout simplement pour faire un petit peu une mise au point sur qu'est-ce que va pouvoir faire l'automassage et qu'est-ce qu'il ne va pas pouvoir faire. Parce que alors c'est notamment le cas dans beaucoup de vidéos anglo-saxonnes sur YouTube, mais en France, j'ai pas trop cherché, j'ai surtout regardé chez les anglo-saxons. On vous vend ça un petit peu comme miracle, quoi, hein. C'est-à-dire que vous vous automassez, ça va vous libérer de toutes vos douleurs, de tous vos maux. Alors c'est vrai que c'est quand même relativement intéressant et relativement efficace. Après, voilà, il y a plusieurs choses que l'automassage ne permet pas. La première, c'est de vous redonner plus de souplesse. J'expliquerai après pourquoi. La deuxième, c'est de vous redonner de la mobilité, en tout cas à long terme. Dès que je dis à long terme, c'est sur plus de quelques heures. Et la troisième, ça va être de briser les adhérences, les cicatrices, les choses comme ça. Voilà, ça c'est les trois choses qu'on retrouve le plus souvent quand on parle automassage. En vendant l'automassage, on vous dit que vous allez retrouver de la souplesse, que vous allez regagner en mobilité et que vous allez pouvoir briser les adhérences, les cicatrices, etc. grâce à l'automassage. C'est faux. Voilà, c'est faux et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. D'une part, déjà parce que mécaniquement, les tissus ne réagissent pas instantanément à une stimulation, à un massage. Ce qui se passe pendant un massage ou un automassage, c'est que vous allez stimuler votre système nerveux. Vous allez stimuler certains récepteurs qui vont envoyer un message au niveau du cerveau. Généralement, c'est un message douloureux parce que quand on vient masser certaines zones, le massage n'est pas forcément hyper agréable. Il est même des fois douloureux, voire très douloureux en fonction. Et en fait, en envoyant ce message au cerveau, vous alertez le cerveau en disant « là, il y a danger ». Là, il y a danger, donc il va falloir relâcher impérativement la zone pour éviter qu'il y ait de la douleur. Donc en fait, en envoyant un message au cerveau de douleur, vous permettez au cerveau de renvoyer un message qu'on va dire d'inhibition. Donc voilà, c'est juste en fait un travail d'inhibition que vous allez faire. C'est pour cela qu'en fait vous allez pouvoir moduler un peu la douleur. C'est un travail de modulation de la douleur. C'est-à-dire que vous allez moduler la perception que vous allez avoir de la zone. C'est pour ça qu'instantanément après un automassage, vous pouvez très souvent percevoir un gain de mobilité de plusieurs degrés. Ou au contraire, percevoir moins de gêne ou moins de douleur. C'est simplement parce que vous avez réussi à moduler l'information au niveau du système nerveux.
En aucun cas, vous avez modifié les tissus. Alors après, potentiellement, si vous le faites tous les jours, sur le même endroit, évidemment qu'arrivé à un moment donné, les tissus vont se remodeler. Les tissus vont se remodeler parce que toujours le même geste, parce que toujours la même zone stimulée, et donc forcément le corps derrière va s'adapter autour. Le corps va s'adapter et donc forcément vous aurez moins mal, ce sera beaucoup plus, vous aurez l'impression que ce sera beaucoup plus souple en tout cas, mais dès lors que vous allez arrêter plusieurs jours, ben, le souci voilà, va, entre guillemets, va revenir. Disons que voilà, c'est vraiment des techniques de modulation de la douleur. C'est très intéressant, pourquoi? Parce que vous allez amener un énorme afflux de sang, vous allez avoir un effet de pompe qui est vraiment propre au massage, pardon, et ça c'est hyper intéressant notamment quand on a mal, et également dans le cadre sportif, après vos entraînements, après vos compétitions, après le sport quoi. Une fois que vous avez bougé, faire un automassage, c'est fantastique parce que vous allez avoir un afflux de sang qui va venir justement réparer le muscle plus rapidement s'il est abîmé, et donc en amenant plus de sang, vous réoxygénez plus facilement le muscle. Et en réoxygénant plus facilement le muscle, il a plus facilement tendance à se détendre, à être mieux alimenté, pardon, et donc à mieux récupérer derrière. Donc c'est essentiellement les deux gros avantages de l'automassage, donc modulation de la douleur et de la perception grâce à ce réflexe que je vous ai expliqué. Alors, je cherche le réflexe en français, mais je ne l'ai pas. Donc je vais vous le donner en anglais. En anglais, c'est Descending Nauseous Inhibitory Reflex. Donc c'est DNIC, voilà. DNIC, vous pouvez chercher sur Google, vous aurez tout un tas de recherches dessus. Donc tout ça pour vous dire que voilà, n'imaginez pas qu'avec un automassage, vous allez pouvoir régler tous vos problèmes. C'est certes très efficace, quand c'est bien fait et appliqué pour les bonnes situations, mais ça ne règle pas tous les problèmes. Voilà. Trigger points, un peu même combat, même si effectivement les trigger points c'est quand même assez ciblé. Les trigger points, donc vous pouvez très bien vous les soulager, mais le mécanisme va être le même. Il sera plus puissant que l'automassage, tout simplement parce que ce sera beaucoup plus sensible en fait. Quand vous faites un trigger point, vous appuyez sur une zone qui est déjà potentiellement déjà douloureuse et vous allez augmenter pour déclencher encore plus de douleur. Et en déclenchant plus de douleur, forcément, le réflexe du cerveau d'inhibition va être d'autant plus puissant. Donc, trigger point, évitez de vous faire trop mal non plus, ça sert à rien. Le but, c'est toujours de réussir à respirer quand vous le faites. Donc, pour vous montrer, je vous montre sur le pec. Vous prenez donc, sur le pec, ils sont dans le coin supérieur, hein. Pas sur l'insertion, mais juste avant le tendon. Donc, vous venez toucher. De toute façon, dès que vous voyez que vous êtes sur l'épaule, vous reculez un petit peu sous la clavicule et vous allez avoir une paire dans ce coin-là. Donc, vous n'hésitez pas, vous prenez une balle et vous venez appuyer. Et quand en cherchant, vous tombez sur un point qui est un petit peu plus sensible que les autres et qui potentiellement irradie dans le bras, autour de la zone ou ailleurs, c'est que vous êtes sur un de ces trigger points. Donc là, vous n'avez qu'un truc à faire, c'est simplement rester appuyé jusqu'à ce que la douleur cède. Et une fois que la douleur aura cédé, c'est-à-dire que le trigger point, comme on dit, sera désactivé. C'est-à-dire que l'information perçue par le cerveau aura été traitée et l'inhibition aura été effectuée. C'est grâce à ça que le muscle va pouvoir potentiellement se détendre dans les jours qui viennent. Sachez qu'on peut avoir des trigger points sans forcément avoir de contracture musculaire. Il faut différencier la perception de la douleur de la mécanique, enfin de ce qui se passe au niveau physique, si vous voulez. Vous pouvez très bien avoir mal sans rien avoir. C'est pas impossible, c'est pas improbable. C'est même souvent le cas. Donc voilà, n'hésitez pas, cherchez. Massez-vous, automassez-vous. Mais voilà, n'imaginez pas qu'avec l'automassage, vous allez pouvoir régler des mille et des mille de choses. Simplement, il faut faire les choses de manière ciblée. Si c'est par exemple pour des maux de tête, bah effectivement, de venir travailler la zone cervicale, que ce soit par des étirements et des automassages, et les muscles de la mâchoire, par exemple, avec des trigger points, ça va vous permettre de vraiment vous libérer la zone, quoi. Potentiellement, sur du long terme, si effectivement il y avait des soucis sur cette zone-là, ça va potentiellement pouvoir vous la libérer sur du long terme. Mais voilà, il faut cibler, et en tout cas pour l'automassage, voilà, n'imaginez pas non plus que ça va faire des miracles surtout.
il faut le relativiser et comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà. Je suis ravi de vous avoir fait cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, petit commentaire en dessous de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et puis mettez un petit pouce bleu si vous avez kiffé. Voilà, si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas. Je reste ouvert à toutes les suggestions, que ce soit sur la page Facebook, que ce soit sur les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, prenez soin de vous. Ciao!